Yvette, qu'est-ce que tu fais? Tu as recommencé à faire dame pipi là? Pas vraiment. Donc, qu'est-ce que tu fais ce soir ici? Bon, ben, au Rasputin. On est au Rasputin, là, c'est à Sas, entre les loges, entre guillemets, des artistes et le catwalk où nous allons défiler. Mila, bonjour. Défilé Bastien de Almeida. Voilà. Et tu commences ce soir donc ta carrière de mannequin. Ouais. C'est que signifie pour toi quoi? Qu'est-ce que ça signifie pour toi? Bah, je trouve à 67 ans assez amusant. D'autant que j'ai passé une période très difficile. J'avais un rapport bizarre à mon corps où j'en avais plus. Je peux pas dire que je m'apprécie, mais enfin, ça va. Waouh, Bastien. J'ai de la cire sur mes chaussures. Non, Yvette, c'est d'un profil atypique puisqu'elle casse toutes les normes que nous véhicule la mode, les créateurs, c'est-à-dire qu'on doit être absolument squelettique, ressembler à un singe. Yvette, c'est l'opposé de ça. Elle n'est pas jeune, elle n'est pas spéciale en fait, mais il y a quelque chose qui se dégage d'elle. Outre le fait que son physique, en fait, finalement, c'est son intellect. Ah, bah voilà, en plus, là, c'est les lieux, quoi. C'est les lieux, tu as deux toilettes derrière. Ah, ben ouais. Tu sais que tu passes après ton deuxième passage. Ok. Ah, il va. Elle d'abord. Ouais, on attend. Stunning, fabulous, genius artist, and incredible model, fashion diva. A lady who comes, she comes. That's on the stage.